L'invité du 9-10. Connue, elle a son style, elle a sa patte, et oui, c'est elle. Clara Luciani est avec nous en studio. Bonjour et bienvenue, on est ravis de vous accueillir avec ce nouvel album, Mon Sang. Alors, on entend et on écoute cette chanson, Tout pour moi. Il paraît que vous vouliez la mettre à la poubelle, cette chanson, c'est vrai? Alors, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai pas beaucoup de recul par rapport à mes chansons, parce que c'est un peu mes enfants, donc je les aime toutes à peu près pareil. Et souvent, ce qui se passe avant qu'on enregistre les chansons définitivement, je demande à mon équipe, bon voilà, quelles sont vos favorites, parce qu'on va pas en enregistrer 35. Et c'est vrai que la personne en qui je fais le plus confiance, qui s'appelle Agathe, que je salue, m'a dit, celle-là, je sais pas trop. Parce que c'était une démo et que c'est vrai que la démo faisait pas tellement rêver et il manquait du texte, etc. Donc on s'est dit bon bah d'accord, on la fait pas. Et puis en fait c'est Pierrick avec qui j'ai réalisé cet album-là et celui d'avant qui a dit mais pas du tout, elle a vraiment quelque chose, tu devrais raison Pierrick. Ouais. Et donc voilà, c'est marrant, mais on en rit beaucoup avec Agathe qui par ailleurs a plein de visions super justes sur le reste du projet. Pardonne Agathe, mais vraiment on remercie Pierrick. Ce nouvel album, le troisième, il est très intime, plus intime que ce qu'on avait déjà écouté de vous. Vous y parlez de votre histoire d'amour, de votre famille, de vos amis. Vous êtes pourtant une femme plutôt secrète, plutôt discrète. Pourquoi ce besoin-là de vous livrer dans Mon Sang ? Honnêtement, je crois qu'il y a quelque chose d'assez schizophrénique chez beaucoup d'artistes, ce truc d'être à la fois dans l'hyperpudeur et l'exhibitionnisme, ça me surprend moi-même. Ça vous gêne parfois là quand vous réécoutez des textes, vous dites, oh, un petit peu et pour la première fois. Ah oui. Par exemple, la chanson Ma mère, je me dis waouh, c'est quand même dingue que j'ai réussi à parler de cette relation qui est peut-être la plus importante de ma vie. Mm-hmm. J'ai plein de choses que j'ai pas su dire à ma maman, que j'arriverais pas à lui dire au téléphone juste entre elle et moi, et que j'arrive à le dire en sachant qu'il y a des milliers de personnes qui vont l'entendre. Mais à la fois, depuis la chanson, vous ne lui avez toujours pas dit ? Vous voulez juste envoyer le lien de la chanson ? Écoute, c'est pour toi, maman. Toi. Et pas téléchargement gratuit, tu payes. Hein, oh. Va acheter le disque. Non, on se parle beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a, y a une pudeur entre ma maman et moi. Ouais. Et puis il y a Mon Sang, évidemment. Oui. La chanson que... Mon sang, voilà. Ton sang. C'est plus à votre maman que vous parlez, c'est à votre enfant. C'est à toute ma famille, aux racines et aux bourgeons, c'est-à-dire à ceux qui veillent sur nous, et puis effectivement à ce nouvel être qui vient juste d'arriver pour allonger la lignée. Parce que cet album, c'est très joli, aux êtres et aux bourgeons et aux racines, parce que c'est une très jolie formule. Cet album, vous l'avez écrit pendant votre grossesse. Oui. C'est peut-être de là que ça vient, justement, ce besoin de se raconter. De se raconter, ouais. Et puis on sait que c'est un moment où on se pose plein de questions, où on peut être traversé par plein d'émotions, oui. Et où, du coup, finalement, vous vous livrez comme vous ne vous seriez peut-être pas livré par enceinte. Enfin... C'était en tout cas un vrai besoin, et j'avais pas envie de résister à ça. J'ai toujours écrit les albums en fonction de ce que la vie me donnait, quoi, et là, tout à coup, il y avait ce besoin de remonter aux racines, de raconter les éléments les plus importants de ma vie. Et vous étiez enceinte, vous êtes dit j'écris un album, ou vous écriviez cet album et vous êtes... Non, j'ai appris que j'étais enceinte autour de ma dernière date de la tournée à Bercy, et quelques jours après, je suis allée voir Sage, avec qui je travaille depuis mon premier disque, en disant voilà, on a 9 mois pour faire un disque. Génial. J'ai envie d'utiliser ce moment pour faire un disque. Et vous avez mis des petits coups de patte, votre petit bonhomme, quand vous enregistrez, et ça j'aime bien. Pour valider. Quand il fallait en mettre une à la poubelle, c'était un coup de patte à gauche. pas de langage secret, mais effectivement, je le sentais vivre et écouter la musique, et il était très réactif à la basse, comme son grand-père. Ah oui. Ouais. C'est sympa ça. On n'a évidemment pas d'enfant préféré dans la vie, mais est-ce que vous avez une chanson préférée sur cet album ? Oh, c'est dur. J'aime beaucoup Chagrin d'amis, parce que ça m'a fait du bien de l'écrire, et du coup je suis très reconnaissante envers cette chanson, je crois, de m'avoir guérie d'une certaine douleur. Ouais. Nous, on aime beaucoup Romance. Tout le monde s'en va à la fin. On apprend à être son ami. On se prend la main, on s'adoucit. On se retrouve comme un con, mais serein, dans une solitude qui nous va trop bien. On s'y délasse comme on...
pas l'interrompre, en fait, cette chanson. Ça, c'est une Clara Luciani qu'on connaissait moins, quand même. Oui, moi aussi, d'ailleurs. Hein. C'est vrai? Ouais, j'ai... Elle est sympa? Oui. Non, mais c'est drôle, j'ai découvert certains aspects de mon écriture et de ma voix sur ce disque-là. Et pour le coup, c'est drôle, mais cette chanson-là, c'est la seule de tout mon répertoire qui a été enregistrée en une seule prise, piano et voix. Ah oui. On n'a pas de plan B. On a essayé, parce qu'ensuite, quand on était au mixage, on se disait, ah, peut-être qu'on peut avoir mieux sur ce mot-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait fait une seule et unique prise. Comme un live, en fait. Ouais. Comme un concert. Ouais, c'est ça. Et c'est la seule chanson qui a été enregistrée comme ça, quoi, sans coup d'essai, quoi. Alors, autre titre sur cet album, c'est celle-ci, Courage. Je porte ma maison sur mon dos, mes chansons, mon enfant sur mon dos, des émotions qu'il faut taire et la guitare en bandoulière. Ça fait lourd, ça fait trop. Ça fait lourd, ça fait trop. Est-ce que ça vous pèse, Clara Luciani, le succès? Ça vous pèse sur le dos ou pas? Non, pas tellement. Non, ce qui peut me peser, peut-être, c'est la peur de l'insuccès, justement. La c'est peur vrai de, ouais, la peur de décevoir en permanence. Voilà, c'est vrai que je suis hyper rassurée par les retours. Moi, je lis tout, hein, je lis tout, je réponds au plus de monde possible sur Instagram. J'ai besoin de ce lien, j'ai besoin du retour des gens parce que ça fait... Ça me rassure. Ça me rassure et ça fait longtemps que j'attends que ce disque sorte, que j'avais hâte de lire les retours. Donc là, je me sens un petit peu plus rassurée, mais c'est vrai que ces dernières semaines, ce qui me pesait, c'était vraiment l'incertitude, me dire est-ce que ce disque va trouver son public parce qu'il est un peu différent des autres, etc. Là, vous êtes rassurée, mais quand vous avez écrit cette chanson, Courage, je porte ma maison sur mon dos, mes chansons, mon enfant sur mon dos, des émotions qu'il faut taire et la guitare en bandoulière, ça fait lourd, ça fait trop lourd. Vous étiez pas au top ce jour-là, je sais pas, il y avait un souci. J'adore votre lecture. Ouais. Non, c'est vrai, j'étais pas au top. Pour être tout à fait honnête, même, c'est la seule chanson qui a été écrite après que mon fils soit né. Et j'étais en studio et je faisais que m'endormir, parce que je ne dormais évidemment pas la nuit. Et je me suis réveillée d'une... Il y avait du baby blues là-dedans? Il y avait évidemment du baby blues, bien sûr, il y avait un mélange de plein d'émotions. Évidemment, quand on vient d'avoir un enfant, on se sent à la fois la plus heureuse du monde et à la fois accablée par une espèce de mélancolie étrange qu'on n'arrive pas à identifier et qui est difficile dans la mesure où on a l'impression qu'elle ne nous est pas autorisée. C'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes rare à prendre la parole comme ça sur ce type de sujet et à dire les choses comme elles sont. Il y a plein d'artistes c'est tellement important de le qui faire. Nous disent c'est formidable d'avoir... Mais c'est aussi bien formidable, sûr que c'est formidable, mais en fait, apporter un peu de nuance dans tous ces discours-là parce que sinon les femmes vont en permanence se sentir coupables de se sentir parfois un peu triste après une naissance et c'est la pire chose quoi, qu'on puisse leur faire ressentir. On peut se faire un petit kiff? Ou pas? Bien sûr. La grenade, évidemment, c'est le tube qui vous a fait éclore, j'allais dire. Excellent, c'est à chaque fois que vous levez votre stylo. Regardez. On commence ? C'est magique. J'ai un toc chez moi, la grenade. Il paraît que vous aviez peur d'être une chanteuse éphémère. Un tube et disparaît, un tube et puis s'en va. Bah, il y a beaucoup malheureusement d'exemples comme ça dans nos carrières et puis je trouve que notre nouvelle façon de consommer la musique encourage un peu à ça. On a beaucoup de cas de figure où voilà les gens je crois ont une espèce de boulimie d'un titre et puis tout à coup ils s'enlacent et puis ils l'amour jetable. Ouais, un petit peu il y a ce truc là je trouve dans nos générations. Je voilà, donc oui, ça me faisait un petit peu peur. Ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. La grenade est découpillée, j'espère qu'il y a un gamin maintenant quand même. Oui, ouais. Et alors, vous ferez vos premiers pas au cinéma le 25 décembre dans Jolie Jolie, une comédie musicale. Ça vous titillait ça aussi ou... Bah, c'était un rêve même, pour être tout à fait honnête. De faire du cinéma, c'était un rêve? Alors, de faire du cinéma, mais surtout une comédie musicale. Parce que moi, j'ai vraiment grandi en regardant les comédies musicales. Honnêtement, aussi, c'était mon rêve de petite fille. Quoi. Moi, quand j'ai vu Les Demoiselles de Rochefort, trois jours après, j'avais acheté un chapeau rose, un chapeau jaune, et je chantais chez moi. Et j'aurais jamais imaginé avoir la chance de faire... Et quand vous avez vu Les Visiteurs, vous avez acheté quoi? Oh non. Un bon show.